Hello, hello, bienvenue sur le monde de Judith. J'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour du poisson grillé, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Mais en fait, c'est du poisson frit. Donc, on a pris du soso, du poisson soso, on dit chez nous. Voilà, donc, pour réaliser ce poisson frit, on aura besoin d'un bon poisson. Donc, j'ai pris le soso. Ensuite, on aura besoin de tomates, de piment, on aura besoin aussi d'ail, d'oignon, de poivre, du cube d'assaisonnement. Et aussi, pour accompagner tout ça, on aura besoin de d'attiéké. Donc, il faut savoir qu'on peut accompagner d'aloco, d'igname. Et donc, là, j'ai choisi d'accompagner ce poisson, bon poisson grillé, avec de l'attiéké. Sans plus tarder, nous allons passer à la préparation de la recette. Les amis, maintenant que nous avons vidé, écaillé notre beau poisson soso, voilà, on va le laisser égoutter, donc à l'aide même d'un papier essuie-tout, venir égoutter son poisson. Et donc, de l'autre côté, j'ai mis donc de la farine, du sel, du poivre. On va mélanger tout ça et ensuite, on va venir déposer le poisson là-dedans. Et pendant ce temps-là, je fais chauffer mon huile. Voilà. Et entre-temps, je vais mixer donc les tomates, piment, oignon et l'ail. Et je reviens vous voir. Maintenant que l'huile est chaude, les amis, donc on va bien fariner notre poisson pour éviter que cela colle. Et ensuite, on va venir plonger notre poisson dans l'huile. Comme ceci. Et on va répéter l'opération. Voilà, on fait attention à ne pas se couper. Donc, les amis, à ce stade-là, on va retourner notre beau poisson soso, comme ceci. On a un peu de vent, mais c'est pas grave. Voilà, regardez comme c'est beau, n'est-ce pas que ça donne envie de le manger, ce beau poisson. Voilà, la belle tête qui se retourne. Et voilà, on va le laisser cuire encore de l'autre côté pendant à peu près un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Les amis, pendant que notre poisson est en train de cuire, donc on a découpé oignons, piment. Et aussi de la tomate. Ensuite, on va venir assaisonner donc d'arôme, d'accord, qui est par là, voilà, d'arôme, toujours facultatif, hein. Si on veut, on n'est pas obligé d'en mettre. Voilà, on va mettre comme ça quelques gouttes. Ensuite, on va venir mettre un peu d'huile, voilà, et de vinaigre, du vinaigre blanc, comme ceci. Voilà, on va mélanger tout ça. Et ça va aussi accompagner le poisson avec notre sauce pimentée, tomate mixée, aussi ail qu'on va venir faire cuire dans de l'huile, pardon, chaude. Donc voilà les amis. Les amis, on a mis de l'huile à chauffer donc pour notre sauce tomate piquante qui va accompagner notre poisson grillé. Donc là, on va renverser. On verse notre tomate. Ensuite, on vient mettre notre bouillon. Donc, j'ai pris le cube poulet. Je vais venir mettre aussi, je n'ai pas mis dans la vidéo, donc je vais venir vous mettre un peu de crevettes séchées, comme ceci. Voilà, une cuillère à café, ça suffit largement. Voilà. Et on va couvrir et faire cuire pendant 10 minutes à peu près.
10 minutes à un quart d'heure. Les amis, nos poissons sont cuits, donc on va venir les enlever. Voilà. On va les retirer donc de notre plat. Regardez comme c'est beau. Et la tête qui a été aussi bien cuite. Voilà. On va venir retirer tout ça. Ça y est les amis, notre bon poisson grillé est terminé. Regardez comme c'est beau et je vous assure que c'est aussi excellent en bouche. J'espère que vous allez le reproduire chez vous. Et n'oubliez pas les amis de partager, de liker et d'actionner la cloche hein, pour d'autres vidéos. Comme ça on pourra voilà, se voir pour la prochaine fois aussi. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Et chez vous, j'espère que vous allez faire ce beau poisson soso grillé avec son accompagnement à la tchéké, hein, qui peut s'accompagner aussi de d'aloco et autres. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt, bisous bisous, bye.